On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format que je veux tester depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous filmer un petit vlog parce que ce soir, j'ai été invitée par un ami à moi, que vous verrez tout à l'heure, pour aller à un concert Move à la maison de la radio avec donc Le Juice, Rémi, Deavizi et Ronitsa, je crois. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour me suivre là-dedans. Et puis demain, je fais un autre concert, donc comme ça, on pourra faire un petit combo des deux. Je vais travailler là et puis je vous reprends du coup ce soir direction le studio 104. C'est parti! Naphel, du coup, qui m'a invité. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas une découverte. Je ne sais pas beaucoup. Alors, du coup, on rappelle, il y avait en premier Le Juice, après Rémi, en deuxième. Après Ronitsa, qu'on connaissait pas, oui. Et Deavizi. Deavizi, le plus important, mais on l'oublie presque. Exactement. Alors, qu'est-ce que t'as préféré? Ah, préféré, bah, j'étais venu pour Le Juice. Mais petit coup de cœur pour Rémi quand même, belle découverte. C'est vrai que je l'avais jamais vu non plus et c'était quand même très 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 lourd, très touchant. Très touchant. Très touchant. La musique très touchante. Donc on est arrivé extrêmement en avance et c'était assis. Donc on s'est dit mon Dieu, mais un concert de rap assis, comment on va faire? Et puis bah en fait non, ils nous ont dit de nous lever, donc on était soulagés et on a pu un peu bouger nos culs. On a pu un peu bouger les culs et ça c'est le plus important. Surtout pour voir Le Juice. Surtout pour voir Le Juice, c'était le plus important. Et Deavizi a fait une exclue qui est oui. Quand même extrêmement dansante. Donc je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'était quand même très intéressant de découvrir ça pour finir le bail. Non, d'ailleurs, ça a fini ça a sur fini, ouais. Un combo gagnant Rémi Deavizi. Et les deux ensemble, c'était très très cool quand même. Ouais, et bah, je vous mets les images maintenant. C'est parti! Et non, en fait, c'est encore moi. Je voulais quand même rajouter que je trouvais ça trop cool que Le Juice ait fait monter sur scène une jeune artiste qui s'appelle Nessie et qu'elle ait précisé qu'elle avait à cœur de mettre en avant des jeunes artistes, notamment féminines. Voilà, on se retrouve du coup demain et cette fois, je vous laisse avec les images. C'est parti. Je suis pas là, 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 je suis pas là
pour la deuxième journée. Donc là, je suis à la fac. Et ce soir, je vais au Bataclan. Je vous dis pas encore pour aller voir quoi. Ce sera la surprise. Et un peu fatiguée, mais on y va. On est chaud. C'est parti. T'as pris quoi à manger? J'ai pris une salade pour être bien, et un petit jus pour être bien en forme, quoi. Est-ce que ça vous dit, les filles, qu'on se fasse une petite playlist improvisée, genre ce que vous écoutez en ce moment? Par contre, là, je suis toute seule à l'image, donc on dirait que je parle toute seule. Alors, si vous voulez, moi, j'ai plusieurs trucs, je commence. Vas-y, vas-y. Je commence par un son, c'est, d'ailleurs, je ne sais même plus le titre, mais c'est le dernier son de Rosalia. Ah. Wow. Saoko. Mmh. Qui est vraiment un son, genre, qu'il faut écouter le matin avant de... quand on n'a pas la motive, quoi. Parce que c'est très... C'est doux. Ah non, c'est punchy. Ah non, non, oui, c'est limite agressif. Ah. Le clip avec une moto et tout, enfin vraiment, genre, c'est trop cool. T'es Rosalia, quoi. Ouais. Vas-y, Balpitz. Eh bien, bonjour à tous. Les blagues de Lily, les Bombay. Moi, ma chanson de la semaine, c'est très gênant quand c'est pas ton blog. Non, mais moi, la chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est... Mais c'est pas du rap. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Rosalia, c'est déjà rap. Non, non, en plus. Non, c'est God is a Freak de Peach, P-R-C, et qui est très très bien. Ben, je connais pas, donc la commu et moi, on ira écouter ça. Un titre qui contient aussi le mot script en proposant, c'est trop. Ma chanson de la semaine, c'est vraiment He Was a Big Freak de Betty B. Ok, on est très freak, parce que c'est parce qu'on est à la fac. C'est la fin de l'année. Yeah, vous êtes en mode, ok, on est... Mais c'est bien. Ben grave, grave. Et c'est très aussi un peu agressif, mais très sensuel en même temps. Moi, ce que j'écoute trop en ce moment, c'est toujours Tovlo, parce que j'écoute toujours Tovlo. Et elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle How Long, et c'est une chanson qui va être dans Euphoria. Ah ok. Tout à fait. D'accord, très bien. Et donc moi pour le deuxième tour, enfin je vous ai pas obligé de faire un deuxième tour, mais... T'inquiète, on va le faire. Moi j'écoute toujours la Air Tape de La Fève aussi, que j'écoute tous les jours, et sûrement que vous connaissez pas. Non, du tout. Je sais pas si ça vous plairait, mais c'est vraiment, je pense, un des meilleurs projets de 2021, qui est sorti tout fin 2021. Vous avez autre chose à dire? T'as un autre titre que tu écoutes beaucoup? Oui, Center de Remix qui s'appelle You Plus Me, bah, You and Me, je crois, du coup, attends, de Safety. Elle est trop bien. Ok, je connais pas. You and Me. Il fallait qu'elle chante quand même. C'est même pas une chanson là. Bah, merci. Ouais. Vous avez pas d'autres tours? Si, alors moi, du coup, c'est un truc que j'ai. Mais parce que j'essaie de le reprendre à la basse, c'est une ligne de basse toute simple, et c'est celle de Ass Like That de Victoria Minnelli. Ouais, ouais, ouais. Can you show us your ass? Et vous voyez? Un peu de love. C'est trop chou.